Chez l'ophtalmo. Quelques poignées d'amour qui apparaissent sur les hanches, un peu de gras logé dans le bas-ventre, les kilos qui grimpent sur la balance, et c'est la panique aujourd'hui. Un Français sur deux est en surpoids et l'obésité est en passe de devenir le mal du siècle. Mauvaise hygiène de vie, alimentation déséquilibrée, sédentarité, la prise de poids se fait souvent progressivement et de façon insidieuse. À partir de quand peut-on considérer être en surpoids? Quand s'inquiéter? Pourquoi certaines personnes ont tendance à grossir et d'autres pas du tout? Comment perdre du poids efficacement? Deux spécialistes pour répondre à toutes vos questions. Le docteur Boris Ancel, qui est nutritionniste et endocrinologue à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Et Jacques Grobert, qui est enseignant-chercheur en nutrition à AgroSup Dijon. On va juste, avant de répondre aux questions, parler de cet indice de masse corporelle qui permet d'évaluer donc le surpoids et l'obésité. Voilà, donc l'indice masse corporelle, effectivement, c'est pour l'instant la référence qui est très simple à calculer. On peut le faire chacun en prenant votre poids en kilos qu'on divise par la taille qu'on met au carré et vous allez devoir avoir un chiffre qui va être compris entre 15 et 30, 35. On va regarder sur la slide qui suit. Si votre chiffre. C'est en conférence, hein. C'est en congrès. Alors, sur l'écran. Voilà. Sur l'écran plasma qui suit. Donc, selon le résultat que vous trouvez, entre 19 et 25, vous êtes normal. Et puis, au-dessus de 35, effectivement, c'est une obésité sévère, une obésité qu'on appelle une obésité morbide. Mais on l'a dit tout à l'heure, ça ne suffit pas. Ça, c'est des grandes généralités. On va essayer de voir avec nos invités, effectivement, si on peut affiner ça et individualiser ces résultats. Oui, d'ailleurs, juste à propos de ce que vient de dire Régis, avant, on disait effectivement systématiquement. Obésité morbide au-delà de 40, si je me souviens bien, et on l'a enlevé un peu des abacs. Ça, c'est, y a une raison précise à ça. C'est pour pas faire peur. C'est parce que. Alors, il y a toujours cette notion d'obésité grade 3 au-dessus de 40 qu'on appelle obésité massive. C'est juste le avant, terme. Morbide, voilà, c'est juste le terme morbide qui a été mis de côté parce que c'était considéré comme pas très adapté. Voilà, mais cette notion qu'au-delà de 35 c'est sévère et qu'au-delà de 40 c'est massif, donc cette distinction, elle existe encore, elle est importante parce que pour ce qui est des traitements, c'est une limite qui va déterminer les traitements. D'accord. On revient sur ce qu'on disait sur l'IMC. Il y a d'autres manières d'indice de masse corporelle. Il y a d'autres manières de quantifier, c'est savoir si on est en surpoids, énormément en surpoids. Ce que vous le disiez tout à l'heure, effectivement, cet indice est un bon indice, mais il est global. Hein. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que c'est la définition du surpoids et de l'obésité. Si on prend la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est pas lié à l'indice de masse corporelle. La définition, c'est un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé. Ça, on va en parler tout à l'heure avec Dexa. Avec voilà, la question, c'est de savoir comment on peut savoir, quand je regarde quelqu'un, si cette personne a un excès de masse grasse. Et oui, on a trouvé un indicateur approximatif qui est l'indice de masse corporelle, et dont on sait que s'il dépasse certaines valeurs, c'est probablement qu'on a cet excès de masse grasse. Et donc, affiner un petit peu. On verra effectivement un examen qui mesure ce taux de gras. Lucette nous demande pourquoi certains sont maigres alors qu'ils mangent comme quatre, tandis que d'autres prennent des kilos à la seule vue d'un gâteau. Ça, on entend toujours ça. Vaste question. Hein. Alors, pour y répondre, je crois que Coluche disait « Tous les hommes naissent libres et égaux, mais certains seront plus égaux que d'autres. » Et donc là, je pense qu'on a un très bel exemple de l'inégalité. Alors, pourquoi effectivement on est tous inégaux devant cette prise de poids, ce surpoids et cette obésité? Vous êtes vraiment enseignant à Dijon? Oui, je suis enseignant à Dijon, mais j'ai l'accent du Sud-Ouest. Ah, non, c'était juste pour savoir si je positionnais mal Dijon en France. Je suis originaire de Toulouse, donc je vous mais ça fait 20 ans que je suis dijonnais quand même. Donc ça me rassure, ça veut dire que j'ai encore l'accent. Vous ne l'avez pas perdu, vous inquiétez pas. Donc en fait, oui, pourquoi cette inégalité? On peut avoir plusieurs raisons. Hein. Et on peut avoir déjà une origine génétique de cette différence. Et c'est très important parce que les gènes, on n'en est pas responsable, nos gènes, on les hérite de nos parents et il faut vivre avec, qu'ils soient bons ou mauvais. Et c'est extrêmement important parce que je dirais que l'obésité, le surpoids, on sait que c'est un déséquilibre de la balance énergétique, c'est-à-dire que les apports vont être supérieurs aux dépenses. Mais je dirais qu'à un moment donné, on peut manger au-delà de ce qu'il faut, à l'insu de son plein gré, si je peux reprendre une célèbre expression. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir un individu sain qui va manger, à un moment donné, il va avoir ce qu'on appelle un signal de satiété. Un signal de satiété qui va être intégré par son cerveau, lui dire « c'est bon, tu as suffisamment mangé, tu vas arrêter ».
La personne qui aura des gènes défectueux, ce signal sera soit défectueux, soit mal intégré au niveau cérébral et va continuer à manger sans avoir eu ce signal d'arrêt. Donc en fait, effectivement, cette personne va manger plus qu'il ne faut, mais ce n'est pas volontaire, on va dire, elle n'en est pas consciente. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour le message que j'aime bien faire passer, moi, dans ce genre d'émission, c'est que il faut pas stigmatiser la personne qui sera en surpoids ou obèse. Je veux dire, voilà, l'obésité est une maladie, enfin, c'est même des maladies, parce qu'il n'y a pas une. Voilà, exactement. Vous parliez de gènes, ça répondra peut-être à la question qui suit. Le surpoids est-il héréditaire et surtout, est-ce qu'on a identifié un gène responsable? Alors, est-ce qu'il est héréditaire? La réponse est oui. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément en surpoids quand sa famille est en surpoids, mais on sait qu'on a plus de risques de le devenir parce qu'on a ces gènes qui nous prédisposent à devenir en excès de poids. Alors, juste une chose, il ne faut pas condamner nos parents, parce que nos parents, ils nous transmettent des gènes qui vont nous aider et des gènes qui vont un peu nous mettre en difficulté. On ne peut pas tous avoir tous les gènes qui vont nous aider ou tous les gènes qui vont nous mettre en difficulté. Donc, il ne faut pas se retourner contre nos parents parce qu'ils nous ont transmis tous aussi des bonnes choses, hein, même quand on a excès de poids. Est-ce qu'il existe un gène qui explique l'obésité? Il y a des gènes qui sont rarement retrouvés chez certaines personnes et qui peuvent en eux-mêmes expliquer toute l'obésité. Mais c'est quand même très rare, ça touche 1, 2, 3% des personnes qui sont en obésité sévère déjà depuis l'enfance. En surpoids depuis plusieurs années suite à une dépression et toujours en traitement, donc déjà les deux peuvent expliquer effectivement peut-être un surpoids, je n'arrive pas à perdre du poids, comment faire? Ben déjà essayer peut-être de trouver l'origine de cette dépression, parce qu'on sait aussi qu'une des causes de l'obésité, c'est des origines psychologiques. Donc effectivement, si, et les médicaments de la dépression peuvent aussi faire grossir. Absolument. Donc déjà c'est effectivement de soigner ça et donc peut-être de se faire aider. Parce qu'en plus, le surpoids peut contribuer du coup à un mal-être général. En plus, absolument, c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Donc du coup, traitement de l'obésité au jour d'aujourd'hui, je dirais traitement pharmacologique, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Il y a eu des tentatives, il y a eu des essais, mais qui ont tous été voués à l'échec, hein, puisque c'était essentiellement des molécules qui agissaient au niveau cérébral et avec des effets secondaires plus néfastes qu'autre chose, donc des tentatives de suicide, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pharmacologique de l'obésité, il y a juste un traitement chirurgical qui est pour des obésités dites sévères. Voilà, mais j'irais même pour compléter que même dans ces cas-là, c'est assez faux de dire qu'on va guérir l'obésité avec la chirurgie. Ouais, hein. Et ce qu'on veut dire, c'est que l'excès de poids, il est lié toujours à un trouble du comportement alimentaire qui n'est pas volontaire et qui n'est pas de notre faute. Hein. Quand on est en excès de poids, ce n'est pas sa faute, il faut bien se le dire. En revanche, ce comportement alimentaire, il faut l'améliorer. Ça, c'est dans tous les cas le traitement de base de l'obésité. Et effectivement, quand on a un excès de poids important, il va falloir, dans beaucoup de cas, le compléter par la chirurgie. Mais souvent, l'erreur, c'est de dire « je me fais opérer, ça va me guérir, et après, je ferai attention ». En fait, c'est l'inverse. C'est d'abord, je modifie mes habitudes, mon comportement alimentaire, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on sait aider les gens à cela, et on va compléter ça avec la chirurgie. – Est-ce qu'il y a, puisqu'on reprend l'indice de masse corporelle, une limite de surpoids en deçà de laquelle on ne va pas opérer? Si quelqu'un a 10 kilos en trop et dit, ben voilà, moi je voudrais la chirurgie pour perdre 10 kilos… – Vous savez, comme toujours en médecine, hein, c'est le rapport bénéfice-risque qui va primer. Donc on va faire un traitement médico-chirurgical avec les risques que ça implique, quand on considère que le risque de l'obésité est important. Donc les critères sont très simples. C'est pas un critère esthétique. C'est absolument pas un critère esthétique, c'est un critère médical. Au-delà de 40 d'indice de masse corporelle, donc dans l'obésité massive, on va pouvoir proposer un traitement médico-chirurgical. Et on va aussi pouvoir le proposer en dessous quand il y a des pathologies associées. Par exemple, un diabète. Lié au surpoids. Lié au surpoids et qui va pouvoir s'améliorer. C'est vraiment au cas par cas, mais effectivement, c'est en aucun cas quelques bourrelets qui vont permettre d'indiquer une intervention. Il y a Christine qui pose une question sur l'indice de masse corporelle. Est-ce que c'est le seul indicateur permettant de confirmer un surpoids? Je vous propose de répondre avec un petit reportage, parce qu'effectivement, quand on est en surpoids, l'excès de graisse peut présenter un danger pour la santé. Et pour connaître exactement le taux de masse grasse et sa répartition dans le corps, il existe un examen, la DEXA. Les explications de Clémentine Gardeil, Alexandre Delaval, Clémence. Clémentine, c'est joli aussi, ou Clémence, voilà. Alexandre Delaval et Thierry Oden.
On va faire un balayage du corps entier, d'accord, de la tête vers les pieds, okay, ce qui va nous permettre de voir un peu votre composition corporelle, c'est-à-dire votre masse osseuse, d'accord, votre masse grasse, d'accord, et vos muscles. Aujourd'hui, Mélodie passe ce qu'on appelle la DEXA, un examen qui mesure la quantité de graisse et sa répartition dans le corps. Depuis de nombreuses années, elle souffre de diabète et son traitement l'a fait grossir. C'est bon ? C'est bon. Allez, venez, je vais vous expliquer un tout petit peu ce qu'on a eu. Oui, je veux bien. Voilà. Ça m'intéresse. Vous allez vous asseoir. Là, vous voyez en image, donc tout ce qui est en jaune, c'est le gras. Tout ce qui est orange, c'est vos muscles. Et le blanc, bah, c'est l'os, c'est votre squelette. Ouais. D'accord ? Donc, alors, ça montre clairement que vous êtes en surcharge pondérale. La masse grasse représente 46% chez Mélodie, contre environ 30% pour une femme qui n'est pas en surpoids. Cette image, on dirait Obélix, quoi. C'est affreux. C'est vraiment là, pour le coup, on prend la réalité dans la figure. Donc c'est vraiment pas c'est pas agréable. Apparemment, il n'y a pas de solution miracle. J'aimerais bien qu'il y en ait une. Pilule magique. Ça n'existe toujours pas, la potion magique pour faire maigrir. Parce que l'Obélix, ça, il en aurait bien besoin. C'est affreux, c'est vraiment ça, quoi. À défaut de potion magique, cet examen donne de précieuses indications sur la quantité de masse grasse. Le radiologue va les interpréter. Chez Mélodie, plus de 2 kg de graisse sont logés dans son ventre, une zone particulièrement à risque. Alors, ce qui est surtout problématique, c'est cette masse grasse périviscérale, qui est la graisse qui entoure les viscères, l'intestin, le foie, vésicule, pancréas, etc. Parce qu'elle augmente le risque cardiovasculaire, elle augmente le risque également métabolique, c'est-à-dire diabète, cholestérol, etc. Et elle augmente peut-être le risque carcinologique, c'est qu'on sait que les gens qui ont trop de masse grasse autour des viscères ont un risque accru de maladies cancéreuses. La DEXA évalue aussi la densité des muscles. Bonne nouvelle, ceux de Mélodie se portent bien. Voilà, ce que vous brûlez, c'est pas mal, ce qui est lié à votre masse musculaire. Ah bon ? Donc vous avez entre guillemets un cœur sportif. C'est-à-dire si vous vous mettez à faire du sport... Non, c'est la bonne nouvelle. Oui. Si vous arrivez à faire du sport, oui, eh ben, le sport va vous être bénéfique parce que le sport va brûler vos graisses. En plus du sport, Mélodie devra suivre un régime alimentaire établi avec son nutritionniste. Donc pour essayer de quantifier ce surpoids, on l'a vu, il y a la DEXA qu'on vient de voir. Là, on a parlé tout à l'heure de l'indice de masse corporelle. Il y a d'autres éléments qui permettent facilement... Oui, parce que l'indice de masse corporelle, bon, ça donne une indication, mais c'est pas exactement ce qui ça suffit. En fait, il y a aussi d'autres indicateurs comme le tour de taille, qui va montrer un peu le niveau de gras justement viscéral dont parlait le médecin dans ce reportage. Donc tour de taille, tour de hanche, des choses comme ça qui vont évaluer ce taux de graisse en fait. Il faut penser quoi des balances que tout le monde peut acheter pour maintenant pas trop cher, qu'on appelle la pédensométrie, où il y a des petits pads qui calculent en plus du poids le taux de masse grasse, c'est quelque chose qui est intéressant ou... Je pense que, enfin, personnellement je trouve que c'est assez intéressant parce que le grand public ne peut pas aller faire des DEXA au quotidien, et ça permet de voir un peu où est-ce qu'on en est, et surtout en cas de régime alimentaire, de volonté de perte de poids, de savoir qu'est-ce qu'on va perdre comme poids. Parce que le but, c'est de perdre de la masse grasse et pas de perdre de la masse sèche du muscle. Ça, c'est très important. Donc, ça permet effectivement d'avoir une idée. Alors, ce n'est pas aussi précis, puisque le DEXA, c'est quand même le gold standard dans le domaine, mais ça donne une indication. Moi, je pense que alors, c'est... Il y a beaucoup de régimes déséquilibrés qui font perdre du muscle et pas du gras. Et voilà, c'est tout à fait. Et ça, c'est plus dangereux qu'autre chose. Ninon a un important surpoids sans diabète. Elle demande si ça nécessite forcément un régime, ce à quoi son médecin ne l'incite pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a une obésité, donc un surpoids important, une obésité sévère, qu'on a déjà essayé de modifier ses habitudes alimentaires, moi, ce que je dis à mes patients, c'est de ne pas être un multirécidiviste. Il faut comprendre qu'on a une maladie chronique, il faut arriver à se le dire, et qu'on ne va pas guérir simplement cette maladie en suivant tel ou tel mode alimentaire. Et dans ce cas-là, il faut consulter, il faut accepter l'idée que peut-être on ne perdra pas beaucoup de kilos avec un rééquilibrage alimentaire et l'activité physique. Généralement, on considère qu'on perdra 5%, c'est ce chiffre qu'il faut retenir du poids. Mmh. Si on fait 100 kilos, on arrivera à 95 en modifiant ses habitudes de vie. C'est ce qu'on sait faire aujourd'hui avec la médecine. On ne sait pas vraiment faire mieux, en tout cas sur le long terme. Hein. À court terme, on peut faire ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, discuter avec des spécialistes et des médecins avant de voir des chirurgiens, ça c'est très important, pour discuter à quel moment la chirurgie peut être indiquée. Ça c'est vraiment un message important. Accepter l'idée qu'on ne sait pas avec la médecine simple aujourd'hui et les régimes faire perdre beaucoup de kilos durablement, c'est un fait, c'est comme ça.
et qu'avec des médecins spécialistes de l'obésité, on va pouvoir discuter si à un moment donné, on pourra opérer. Des fois, on le fera dans plusieurs années, des fois, on le fera tout de suite, et c'est au cas par cas. Alors, Ilan, je me suis vu que vous aviez travaillé, c'est gentil, à 25 ans, il pèse 80 kg pour 1m60. Est-ce qu'il est en surpoids? Vous êtes à combien là avec l'indice de masse corporelle? Non, je l'ai fait de tête, c'est absolument pas sur ma fiche. Ah, c'est un indice de masse corporelle à 25. Hein, 25, je vous ai dit. Voilà, 25. Donc 25, c'est la limite. 25, donc. Mais alors, justement, j'ai une question supplémentaire, parce que si je, à moins que je ne m'abuse, Ilan, a priori, est un prénom de garçon, les indices de masse corporelle sont les mêmes, calculés les mêmes pour les hommes et les femmes? Ce sont les mêmes, c'est juste pour les enfants que ça ne sera pas applicable. Il y a des tables spéciales pour spécialistes. Parce qu'on dit souvent qu'ils ont quand même plus de masse musculaire, enfin, donc c'est un peu bizarre d'avoir exactement le même. L'indice de masse corporelle, la formule est la même, ouais. D'accord, les seuils sont totalement identiques. Après, c'est les taux de masse grasse qui vont être un petit peu différents. Et effectivement, la femme a un peu plus de gras que l'homme, mais la formule de l'indice de masse corporelle est la même. Parce que si jamais Ilan est un culturiste… Exactement, et c'est là où l'indice de masse corporelle montre ses limites, c'est-à-dire qu'un culturiste va avoir une masse énorme, mais ça va être du muscle, il n'y aura pas un gramme de graisse. Il aura un indice trop élevé. Et un indice de masse corporelle qui peut être à 35-40, il n'y a aucun souci. Pour donner un conseil très pratique à Ilan, deux choses. Premièrement, c'est de mesurer le tour de taille, et deuxièmement, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est de voir l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que si Ilan prend 1 kg par an sans s'en rendre compte et qu'il voit son abdomen pousser petit à petit, là, effectivement, il faut mettre en place une stratégie. Si en revanche… – Le taille, c'est 88 chez la femme et 80… – Alors, on peut donner comme seuil 102 cm pour l'homme et 88 cm pour la femme. Indiscutablement, il y a un excès de graisse abdominale. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas beau. Hein, j'insiste, on ne stigmatise pas les gens, mais ça peut être un et risque. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément malade. D'accord. Mais c'est un appel. Et en dessous même, à partir de 94 cm chez l'homme ou 80 chez la femme, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un excès de masse grasse abdominale? Donc il faut se mesurer, il faut voir l'évolution dans le temps. Si on est stable à 25, eh bien il n'y a pas de problème. Si en revanche, 30, on augmente 1 kg par an à 25 ans, effectivement, il faut se dire qu'il faut faire très attention. Bernadette demande si les probiotiques et les prébiotiques sont-ils de la poudre de perlimpinpin ou permettent-ils vraiment de lutter contre le surpoids et l'obésité? Alors, probiotiques, prébiotiques et je rajouterai même maintenant postbiotiques. Alors en fait, postbiotiques. Donc probiotiques, prébiotiques, tout ça c'est en lien avec le microbiote intestinal. Donc peut-être est-ce que je rappelle vite fait ce qu'est le microbiote intestinal. Donc le microbiote intestinal en fait c'est 100 000 milliards de bactéries que l'on héberge dans nos intestins en fait. Hein, c'est 10 fois plus que le nombre de cellules total humaine de l'organisme, ce qui pose la question, est-ce qu'on est vraiment humain finalement? Ou un intestin. Voilà, l'intestin. Et donc c'est un organe qui est caché, c'est un véritable organe caché qui pèse plus que le cerveau, 2 kg. Et en fait, et qu'on implique dans l'obésité aujourd'hui? Et qu'on a commencé à impliquer en 2004, en fait, il y a une première étude qui a été faite chez l'animal par des chercheurs américains qui ont pu manipuler des microbiotes de souris obèses versus souris maigres et qui se sont aperçus qu'en transférant ce microbiote de souris obèses à des souris maigres, ces souris maigres devenaient, en tout cas avaient la capacité de stocker des lipides, de la graisse. Donc là, ça a commencé une première approche et depuis, donc ça fait maintenant 15 ans, donc c'est tout récent hein, en termes de recherche, on est quelque chose de tout nouveau. Chez l'homme, il y a de nombreuses publications, maintenant il en sort quasiment une à deux par jour. Et chez l'homme, ce qu'on sait, c'est que le microbiote intestinal d'une personne obèse et d'une personne saine sera différent. La diversité du microbiote des espèces bactériennes chez l'homme obèse sera plus faible. Maintenant, dire aujourd'hui, est-ce que c'est la poule ou l'œuf, quelle est la cause et la conséquence, c'est extrêmement compliqué. Parce que chez l'homme, on peut difficilement manipuler le microbiote comme on le fait chez l'animal, même si c'est un espoir peut-être thérapeutique à long terme. Mais voilà, donc probiotique et prébiotique. Donc probiotique, c'est quoi? Ça va être un organisme vivant qui va être, lorsqu'il va être ingéré en quantité suffisante, pourra avoir un effet bénéfique sur la santé. Donc les probiotiques, effectivement, ça, l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, les compléments alimentaires, c'est en plein essor par rapport à ce microbiote intestinal. Et donc les probiotiques, on en trouve par exemple dans la yaourt, hein, tout ce qui est produit fermenté. Et les prébiotiques, à l'inverse, ça va être des molécules que l'on ne va pas être capable, des molécules alimentaires qu'on ne va pas être capable de digérer nous-mêmes, mais qui vont être digérées par ces bactéries de nos intestins et qui, en réponse, vont produire soit des molécules qui vont agir sur notre métabolisme, soit sur le développement de ce microbiote. Et maintenant, il y a même la notion de postbiotique. Donc là, en fait, on se rend compte que finalement, ces probiotiques vont
sûrement fonctionner avec des molécules qui vont synthétiser, et on essaie d'identifier ces molécules de manière à ce qu'on n'ait pas à avoir des organismes vivants, parce que, comme la définition que je vous ai dit tout à l'heure, c'était des organismes vivants ingérés, mais encore faut-il que ces organismes restent vivants une fois qu'on les a ingérés et une fois qu'ils passent l'estomac. Donc là, si on pouvait travailler sur des postbiotiques, des molécules… – La recherche. – Voilà, c'est ça. Est-ce que ça marche pour répondre à la question de Bernadette? Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui montre que quand on ingère des pré-postbiotiques donc sur le marché, que ce soit en complément alimentaire ou des aliments, que ce soit un traitement de l'obésité. Hein. Anne qui pose la question, combien faut-il faire de repas journaliers lorsqu'on a des kilos en trop? La réponse, elle est… soit on a une réponse classique, qui est de dire vous mangez 3 fois par jour, matin, midi, dîner. En réalité, plus on avance, plus on se dit que ce qui est important, c'est de travailler sur le comportement alimentaire et que chacune et chacun soit capable de détecter à quel moment il a besoin de manger pour donner à son organisme de l'énergie. On n'est pas tous égaux. Donc, globalement, on a besoin de manger 3 fois par jour, mais il y a des gens qui vont manger un peu plus ou un peu moins le matin, d'autres un peu plus ou un peu moins au déjeuner, d'autres un peu plus ou un peu moins au dîner, certains qui auront besoin de collation. Donc le plus important, moi ce que je donne comme premier conseil, première chose, vous écoutez vos besoins et vous adaptez les apports alimentaires en fonction des besoins. Des fois, il faut se faire aider par des psychonutritionnistes, nous on travaille avec des psychonutritionnistes, et je m'abstiens vraiment de donner une règle formelle parce qu'on est tous différents. Et même de dire ce qu'on entend souvent, surtout ne sautez pas de repas, surtout ne sautez pas le petit déjeuner. C'est un principe qui est vrai à partir du moment où on se dit que si on saute un repas parce qu'on oublie de manger, qu'on est pris dans notre train-train quotidien, qu'on va compenser avec du grignotage. C'est simplement ça que ça veut dire. Hein, c'est simplement ça. Mais une fois qu'on a pris conscience que l'important c'est justement de répondre à ses besoins, de ne pas grignoter, de manger n'importe quoi quand on arrive chez soi, eh bien on peut faire 2, 3 ou 4 repas. Il faut répondre à ses propres besoins. Est-ce grave de ne manger quasiment que des protéines, peu de glucides et presque pas de lipides? Bon, là, on va être très clair, il y a pas mal d'études qui ont comparé différents types de régimes. Encore une qui est sortie aujourd'hui, on est en direct, donc je peux dire que c'est vraiment aujourd'hui et c'est vrai. C'est chaude. Qui comparait, qui comparait différents types de régimes. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, si on parle du moyen et du long terme, c'est que ce qui va faire le plus maigrir, ce n'est pas un régime plus riche en protéines ou plus riche en glucides ou plus riche en graisse, c'est le régime auquel on va adhérer le mieux. À court terme et moyen terme, c'est vrai qu'on adhère mieux, pour beaucoup d'entre nous, mais pas tout le monde, à un régime hyperprotéiné. Voilà pourquoi il y a eu de grands succès. Parce que ça fait perdre rapidement du poids. Ça fait perdre rapidement, ça diminue l'appétit, on a l'impression rapidement, et ça, je suis sûr que plein de gens vont se reconnaître, on a l'impression qu'on n'a plus envie de glucides, de sucre. En réalité, c'est un leurre. Et au bout de quelques mois, dès qu'on réintroduit les glucides, eh bien, il y a compulsion. Donc aujourd'hui, la diététique qui a montré l'efficacité, à mon sens, à la fois la meilleure sur le poids et la meilleure sur le plan de la santé, c'est la diététique méditerranéenne, qui paradoxalement est un peu grasse, mais qui par ailleurs est bonne en qualité des glucides et qui apporte un certain nombre de protéines. Vous voyez, c'est quelque chose d'équilibré, qu'à la fois on peut tenir sur le long terme, c'est ce qui a été montré dans les études, qui sur le poids ne pose pas de problème malgré l'apport en matière grasse, et qui sur le plan de la santé, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les cancers, est favorable. Le sport et une alimentation équilibrée m'ont permis de perdre 30 kilos. À ce jour, je suis blessé. Que faire car je reprends du poids, nous demande Archibald. C'est normal. En tant que médecin du sport, vous devez connaître ça, les sportifs. C'est normal, c'est normal. Rappelons, on va pouvoir le confirmer avec vous, que la perte de poids s'accompagne d'une augmentation des hormones de la faim, la gréline, et d'une diminution des hormones de la satiété. Donc c'est tout à fait normal, quand on a perdu beaucoup de poids, de reprendre des kilos perdus. C'est pour ça qu'on décommande les pertes de poids importantes, rapides, avec des méthodes, vous savez… On ne citera pas de régime. Archibald nous demande aussi, est-ce qu'on peut revenir, quels sont les principaux aliments? Peut-on remettre la question, s'il vous plaît? Ce serait très gentil. On essaie de poser une question, à ce moment-là, elle s'en va en général. Voilà, quels sont les meilleurs aliments pour augmenter l'effet de satiété? C'est ce qui cale. Classiquement, les protéines. Ouais, alors classiquement, c'est les protéines et les fibres. Ouais. Donc, ce qu'on pourrait dire… Qui vont agir sur les hormones de satiété. D'où l'intérêt de commencer par des légumes ou des crudités. D'où l'intérêt d'avoir dans ses repas des protéines et d'avoir des apports en fibres.
et d'avoir un minimum d'aliments glucidiques raffinés. Donc finalement, on retombe sur le problème des produits industriels, on tombe sur les produits très raffinés, les pâtes blanches et le pain blanc, et au contraire d'avoir un maximum de fibres, donc ça veut dire des légumes secs, éventuellement du son qu'on ajoute dans les aliments, et des protéines, donc ce qu'on connaît, des œufs, du poisson, de la viande blanche. Une petite remarque, je pense que vous vous êtes trompé en calculant l'IMC du jeune homme de 25 ans, je ne voulais pas vous le dire, mais je le pensais aussi. 60 kilos pour... 80 kilos pour 1m60. Ça fait pas 5, non ? Non, moi je pense qu'on est plus près des 30 que des... Ah non, moi je reprendrai mes fiches et je recalculerai. On nous dit 31 à l'oreillette. 31. Je me suis trompé. Voilà. On s'est trompé tous les deux. C'est pas grave. Je suis mauvais. Enfin, c'est une mauvaise nouvelle pour Ilan, du coup, c'est pas sympa. Mais les conseils sont les mêmes pour Ilan. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux d'être venu. Demain, dans Le Docteur, on répondra à vos questions sur la rougeole. Vous savez qu'il y a une épidémie en ce moment et on parle beaucoup de la vaccination. On vous donnera plein de conseils. Vendredi, il sera question des pâtes et des féculents. L'émission est enregistrée demain matin, donc on attend ces questions dès à présent. Et puis ce soir, moi, je vous retrouve à 20h45 sur France 5 pour un nouveau Monde en Face consacré à l'avenir des hypermarchés entre le e-commerce, les ventes directes, producteurs, consommateurs. Voilà, quelle est la place encore des hypermarchés qui voient leur avenir un peu assombri. On en parle tout à l'heure à travers un documentaire et un débat, donc 20h45 sur France 5. Et on se retrouve, nous, lundi. À lundi. Et moi, je vous retrouve demain avec Michel à 13h40. Bon après-midi et à ce soir. Au revoir.